Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'éducation. Je suis Ngontek Mariette, votre enseignante de French. Nous sommes en classe de Form 1 pour une leçon de French. Alors, nous passons à la correction du devoir que nous avons laissé la dernière fois. On demandait de relier les expressions de la colonne A aux définitions de la colonne B. Nous avons la colonne A ici, nous avons la colonne B de l'autre côté. Maintenant, voyons ce qu'il y a à faire. On disait « mes parents ». Ça, c'est l'expression de la colonne A. On a « mes parents », on a « mon frère », on a « ma mère », on a « ma sœur », on a « mon père » et on a « ma famille ». Ça, c'est la colonne A. Maintenant, on devait relier avec ce qui convient, la définition qui convient à la colonne B. Et à la colonne B, nous avons le mari de ma mère, la fille de mes parents, mon père, ma mère, mes frères et sœurs. On avait la femme de mon père et de qui je suis née, celle qui m'a accouchée. Maintenant, on avait le fils de mes parents et on avait mon père et ma mère. Qu'est-ce que vous avez fait? Allons-y, regardons. Voici la colonne A. Maintenant, mes parents, quelle est la définition de la colonne B qui convient à mes parents? Mes parents sont... Voici la fille, on regarde le mari de ma mère, la fille de mes parents, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, la femme de mon père et de qui je suis née, le fils de mes parents, mon père et ma mère. Quelle est la définition de la colonne B qui convient à mes parents? C'est F. Très bien. La réponse, c'est F, mon père et ma mère. Bien évidemment, mon père et ma mère sont mes parents. Maintenant, 2, mon frère. Quelle est la définition qui convient à mon frère? Nous avons le mari de ma mère, la fille de mes parents, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, la femme de mon père et de qui je suis née, le fils de mes parents. On a déjà mis ceci, le F. Maintenant, ce qui reste, quelle est la bonne définition? C'est le E, le fils de mes parents. Mon frère est le fils de mes parents. Très bien. Maintenant, nous avons ma mère. Qui est ma mère? On regarde encore le mari de ma mère, la fille de mes parents, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, la femme de mon père et de qui je suis née, n'est-ce pas? C'est elle, ma mère. La réponse est le D.
la femme de mon père et de qui je suis née. Maintenant, on regarde encore ma sœur. Qui est ma sœur? Dans ce qui reste, on a le mari de ma mère, la fille de mes parents, mon père, ma mère, mes frères et sœurs. C'est le B, n'est-ce pas? Ma sœur est la fille de mes parents. Maintenant, mon père, qui est mon père? Est-ce que c'est le mari de ma mère? Oui. Mon père, c'est le mari de ma mère. Normalement, on devait mettre et qui m'a mis au monde. Mais, la place. Donc, on sait déjà qui est ton père, n'est-ce pas? Alors, la réponse, c'est le mari de ma mère. Maintenant, la dernière case, ma famille. Qu'est-ce qui est ma famille? Est-ce que la seule définition qui reste, c'est mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. C'est ceux-là qui sont ma famille. Surtout que nous parlons ici de la famille nucléaire. Très bien. Nous avançons. Voici le récapitulatif de ce que nous avons fait. Nous, dès que vous avez fait comme ceci, vous avez trouvé. La leçon du jour, c'est le lexique lié aux membres de la famille nucléaire, à leurs différents rôles et aux présentations. C'est une leçon de vocabulaire. Dès qu'on parle du lexique, on parle du vocabulaire. Maintenant, comme plan du cours, nous avons nos objectifs d'apprentissage, nous avons les prérequis, la présentation du corpus, les activités d'apprentissage, le résumé, la consolidation et puis le devoir. OK. Comme objectif d'apprentissage, l'apprenant se présentera et présentera les autres. L'apprenant parlera des rôles des membres de la famille nucléaire et donnera leurs différents rôles dans un texte à compléter. Maintenant, comme prérequis, pour bien comprendre et pour pouvoir compléter le texte que nous allons vous donner sur les présentations, la famille, les rôles de la famille nucléaire, il faudra... On connaît déjà les membres de la famille en anglais. Vous connaissez déjà les membres de la famille nucléaire. Et nous venons de faire une correction là qui nous montrait aussi que nous connaissons les membres de la famille nucléaire en français. Maintenant, nous continuons. Que voyez-vous? Ça, c'est une image qui est commune. Nous l'avons vue la dernière fois. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce que tu vois ici, là? Je vois une famille nucléaire composée du père, de la mère, du fils et de la fille. Nous avons vu cette image-ci à la leçon 2, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas difficile pour nous. Nous continuons. Et ça, qu'est-ce que vous voyez ici? Oui, que vois-tu? Papa lit le journal. Très bien. Ici, on voit papa qui lit le journal. C'est bon. Ella. Ella. Qui est ce membre de la famille? Et que fait-elle? Qui est cet autre membre de la famille? Très bien, c'est maman. Elle fait la cuisine. Maman est en train de préparer un bon repas. C'est bon. Maintenant, que font papa et maman sur les images que nous avons vues plus haut? Nous avons dit que papa lit le journal et maman fait la cuisine. C'est bon. Maintenant, toi, que fais-tu à la maison? Que fais-tu à la maison? Il y a une qui va dire qu'elle aide maman à préparer la nourriture, à faire la cuisine. L'autre va dire
Qu'elle fait la vaisselle. Quelqu'un d'autre va dire qu'il fait la lessive. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre à la maison? On peut balayer la cour, par exemple. N'est-ce pas? On peut balayer le sol. On peut laver le sol. Ainsi de suite, n'est-ce pas? On continue. Tous les matins, je lave les assiettes, je fais la vaisselle. L'autre dit, moi, je lave les habits. Laver les habits, c'est faire la lessive. Donc, je peux dire, moi, je lave les habits, ou alors, moi, je fais la lessive. Ici, c'est je, ce n'est pas le. Moi, je lave les assiettes ou bien je fais la vaisselle. Moi, je lave les habits ou bien je fais la lessive. Que font les autres enfants de chez vous? Mon frère, lui, il vide la poubelle et puise de l'eau. Ton frère, qu'est-ce qu'il fait? Mon frère, lui, il défriche les alentours de la maison. Quelqu'un d'autre peut dire, mon frère, lui, il nettoie les volets ou bien les fenêtres de la maison. Ok, nous continuons. Ok, ma grande sœur apprête le petit déjeuner, lave les enfants et les accompagne à l'école. Ma grande sœur apprête le petit déjeuner, lave les enfants et les accompagne à l'école. Que fait ton papa à la maison? On a vu que le papa de l'autre côté lisait lui le journal. Que fait ton papa à toi? À la maison. À la maison, mon papa veille à ce que personne n'entre après 20 heures. Ça veut dire que chez vous, votre père est le gardien. Il fait que personne n'entre après l'heure. À la maison, mon papa regarde la télévision. Lui, ton papa regarde la télévision. Et papa peut faire beaucoup d'autres choses à la maison. C'est papa qui donne l'argent de la nourriture à maman. C'est papa qui achète nos cahiers, c'est papa qui fait ci, c'est papa qui fait quoi. Il va au travail, il revient et il s'assure à ce qu'on ne manque de rien. Comment appelle-t-on les différentes activités qu'on mène à la maison pour que tout le monde soit bien? Les différentes activités que les membres d'une famille font à la maison pour le bien-être de la famille sont appelées le rôle des membres de la famille nucléaire. Ok, maintenant, qu'est-ce que nous devons retenir ici? Ce que nous devons retenir, c'est que pour parler des membres de la famille nucléaire, on utilise les mots comme le père. Ça, c'est ce que nous avions vu à la leçon 2. Comme la mère, les enfants, les parents, le fils, la fille. On a le frère, la sœur, la famille. Tout ceci, c'est le lexique de la famille nucléaire, n'est-ce pas? Maintenant, pour parler des rôles des membres de la famille nucléaire, c'est-à-dire ce que l'un ou l'autre de la famille fait à la maison pour que tout le monde se sente bien à la maison, on va dire lire le journal, regarder la télévision, faire la cuisine, ici c'est les divertissements, faire les achats ou les courses. Faire la cuisine ici, c'est pour que le ventre de tout le monde à la maison n'ait pas de problème, qu'on ait toujours à manger. Faire les achats ou les courses, faire la lessive pour garder nos habits propres. On a dit que faire la lessive, c'est laver les habits. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle, c'est laver les assiettes. Ici, c'est laver les habits.
Alors que ici, c'est laver les assiettes. N'est-ce pas? Balayer le sol, vider les poubelles, puiser de l'eau, faire ses devoirs. C'est important pour les enfants. Les enfants doivent faire leurs devoirs. Ces expressions forment le lexique lié au rôle des membres, au rôle des membres de la famille nucléaire. N'est-ce pas? Maintenant, nous continuons avec les présentations. Le lexique lié aux présentations. Bonjour, je m'appelle Noko. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il fait? Regardez attentivement. Je vous ai déjà aidé à lire. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il fait, pardon? Ok. Il salue et donne son nom. Quand il dit « Bonjour, je m'appelle Noko », il salue et il donne son nom. Très bien. Maintenant, on lit le texte sur l'image. Écoute, lis et réponds aux questions. On écoute attentivement. Quand j'aurai fini de lire, vous allez lire aussi. Après, on va poser des questions auxquelles vous allez répondre. Je m'appelle Noko. Je suis nouveau dans la ville et je parle français. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bessem. Et lui, qui est-ce? C'est mon frère Patrick. Lisons ensemble. Je m'appelle Noko. Je suis nouveau dans la ville et je parle français. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bessem. Et lui, qui est? C'est mon frère Patrick. Maintenant, qui va lire seul? Oui? Je m'appelle Noko, je suis nouveau dans la ville et je parle français. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bessem. Et lui, qui est-ce? C'est mon frère Patrick. Très bien. Maintenant qu'on a lu, nous passons aux questions. Pourquoi dit-il son nom après avoir salué? Pourquoi donne-t-il son nom après avoir salué? Oui, il donne son nom pour se faire connaître. Très bien, il donne son nom pour se faire connaître. On donne son nom pour se faire connaître. Maintenant, est-ce qu'il connaît Bessem? Non, il ne connaît pas Bessem. S'il connaissait Bessem, Bessem ne donnerait pas son nom. Et lui non plus ne donnait pas son nom. Je sais qu'il ne connaît pas Bessem parce qu'on donne son nom à celui qu'on rencontre pour la première fois, n'est-ce pas? Comme Bessem marchait avec Patrick, elle dit que c'est son frère Patrick. Bessem ne peut pas donner son nom à Patrick. Et Patrick non plus ne peut pas donner son nom à Bessem parce qu'ils se connaissent. On donne le nom à celui qui ne nous connaît pas. Et quand on donne le nom à celui qu'on ne connaît pas, qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie l'action de saluer et donner son nom? Saluer et puis après donner son nom voudrait dire qu'on se présente. Quand on salue, on donne son nom, ça veut dire qu'on se présente. Je me présente, je suis Ngontep, votre enseignante de French. C'est ce que je dis chaque fois quand je commence une session. Donc, Monsieur Noko dit bonjour, je m'appelle Noko. Et il demande
toi, comment t'appelles-tu? Bessem dit, je m'appelle Bessem. Il continue et il dit, et lui, qui est-ce? Qui est celui qui est à côté de toi? Bessem répond, c'est mon frère Patrick. C'est bon. Qu'est-ce que nous allons donc retenir? Nous retenons que pour parler des présentations, on utilise les mots ou expressions comme bonjour. Tu ne peux pas ne pas connaître quelqu'un ou bien rencontrer quelqu'un pour la première fois. Tu viens seulement dire je m'appelle Nokono. Il faut d'abord saluer. Alors on dit bonjour, je m'appelle point, 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 point. Comme il a dit, je m'appelle Noko. On peut demander comment t'appelles-tu? On peut dire comment s'appelle-t-il? On peut dire et lui, qui est? On peut dire quel est ton nom? On peut dire quel est son nom? Toutes ces expressions forment ce qu'on appelle le lexique des présentations. Ici, nous avions le lexique des présentations. Maintenant, on va voir si ce que nous avons dit, nous l'avons compris tous. Imite Monsieur Noko et présente-toi, puis pose la question à ton camarade ou à ta camarade pour qu'il se présente aussi. C'est l'exercice de consolidation. On te demande d'imiter Monsieur Noko. Présente-toi. Et puis tu poses la question à ta camarade ou à ton camarade pour qu'il se présente aussi. L'instruction voudrait qu'on donne son nom, son âge et ta classe. Donc, tu vas donner ton nom, ton âge et ta classe. Allons-y. Qui commence en premier? Oui? Pour corriger, on y va. Je m'appelle Mba. J'ai 11 ans et je suis en Form 1. Je m'appelle Mba. J'ai 11 ans et je suis en Form 1. Ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il doit faire ensuite? Il doit poser la question à son camarade. Allons-y. Et toi, comment t'appelles-tu? Maintenant, c'est à son camarade de répondre. Qu'est-ce que son camarade va dire? Je m'appelle Ayok. J'ai 12 ans et je suis en Form 1. Très bien. Ça veut dire que nous avons bien compris ceci. OK. Ça. Maintenant, ici, nous allons laisser un devoir. On complète le paragraphe suivant avec les mots entre parenthèses. Ces mots entre parenthèses sont cuisine, journal, assiette, la lessive et puis sol. Maintenant, je vais lire le devoir. Tous les samedis, mon père lit le point, 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 point. Tous les samedis, mon père lit le point, 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 point. Qu'est-ce que mon père lit tous les samedis? On passe. Chaque enfant a sa tâche. Tâche ici veut dire travail. Chaque enfant a sa tâche ou chaque enfant chez nous a son travail. Ma sœur lave les point, 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 point. Ma sœur lave les point, 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 point. Qu'est-ce que ma sœur peut bien laver? Nous avons la liste ici. Il y a cuisine, journal, assiette, la lessive, sol. Ma sœur lave les point, 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 point. Vous allez compléter. Pendant que mon frère lave le point, 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 point. Qu'est-ce que mon frère peut bien laver? OK. Nous continuons.
Moi, je fais point, 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 point. C'est ma... Bon, on revient ici. On a cuisine, journal, assiette, on a la lessive et on a sol. On recommence. Moi, je fais point, 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 point. C'est ma mère qui fait le marché et fait la point, 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 point. Le soir, après le travail, mon point, 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 regarde la télévision. Il y a quelque chose qui ne va pas qu'on a omis. Il fallait qu'on mette... Il fallait qu'on ajoute dans la liste quelque chose. Ceci aussi va entrer dans la liste. D'accord? Bon, tous les samedis, mon père lit le point, point, point. Ça va là, ok. On revient ici. On dit donc, le soir, après le travail, mon point, 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 regarde la télévision. Si on ne peut pas, on peut tout simplement annuler le dernier et on va considérer pendant qu'on va corriger le devoir. Ce n'est pas tout. Il y avait un autre devoir. Forme deux phrases pour présenter ton père. Forme deux phrases pour présenter ton père. Vous allez former deux phrases pour présenter votre père. Ok, ça c'est ce que vous ferez à la maison et qu'on va corriger la prochaine fois. Maintenant, pour préparer ce cours, nous avons utilisé le programme officiel de French Form 1. Nous avons parcouru le réseau de français 1, livre de l'élève. Nous avons feuilleté le dictionnaire Larousse. Nous avons parcouru le site françaisfacile.com. Maintenant, la prochaine leçon sera une leçon de grammaire intitulée « Les articles définis et indéfinis ». Unetege si matege yop, unetege minga matege nyom, unetege majang matege ndom, manetambia ninya ne njubia yen, ngani bana matege mot, ngani lakiri watege ndong, esekina bia dinkido, manetambia ninya ne njubia yen, tamtama mote tamzabike, Tam tam atonge tam zabike tam 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 amote tam zabike mane tambia niña ne injubia yen